Jésus m'a demandé qu'est-ce qui te conduit ici. J'ai répondu des sillages. Et au décrochement des sillages, il y a d'autres sillages qui s'y invaginent. Pour mieux lui faire comprendre, j'ai tracé devant lui tous les sillages qui vont vers la nourriture, les sillages qui conduisent au moment de repos, au bar, au musée. Et une fois ici, tu vois, il y a tous les sillages propres au Louvre, auxquels je m'accroche quand ça file devant moi, comme un pou pris dans une chevelure. A m'a dit qu'il lui est devenu complètement inutile d'acheter un ticket de métro. Les rares fois où il en était muni, il s'est surpris à faire des pas de côté, se glisser dans des enfilades, faire des demi-tours, à remonter les escaliers pour échapper au contrôleur, rigoureusement de la même manière qu'il l'avait toujours fait en voyageant sans ticket.
vol. Surtout les coups. Peu de temps pour lire. À chaque fois que je tombe sur un livre, que je trouve une heure à lui accorder, je fais une mauvaise pioche. En lisant le grand livre de Smolderen, je suis accablé. Comment faire comprendre que les images du passé, c'est des choses tombées au sol. Là où la peinture tombe sur le sol, il n'y a pas de peinture, il y a une aubaine pour le peintre. Et il en est de même infiniment pour cette traque obsessionnelle de l'origine de la bande dessinée. Non pas dans ses mouvements propres, mais dans une légitimation linéaire, généalogique. Moi, je ne traque pas des légitimités, je cherche des puissances. Il n'y a aucune bande dessinée à trouver, les yeux pétillants comme un garde champêtre microfile dans les dessins légendés du Hogarth. Mais il y a une aubaine pour la bande dessinée. Voilà qui est déjà pas si mal. Voilà qui ouvre aux puissances et ne nous ligote pas avec les bandelettes de la momie.